Messieurs les présidents et vice-présidents de l'Académie des sciences, Madame la secrétaire générale, la secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, Mesdames la présidente et la vice-présidente de l'Académie des sciences des États-Unis, Monsieur le président de l'Académie des sciences d'Allemagne, Mesdames, Messieurs les académiciens, chers collègues et amis, Mesdames, Messieurs, chère Edith, je te remercie pour cette présentation élogieuse de nos travaux récents. Travailler à tes côtés, à l'unité de biologie de développement et de génétique, est un grand plaisir et un honneur. Ton départ va bien sûr nous affecter. Je remercie la Fondation Richard Lounsbery et les membres du jury de l'Académie française et américaine pour l'attribution de cette distinction. Elle représente une magnifique reconnaissance du travail de recherche réalisé par mon équipe au cours des dernières années. Je souhaite associer à ce prix l'ensemble des membres de mon équipe, passés et présents. Je désire exprimer ma profonde gratitude à Daniel Louvard, qui, en tant que directeur de l'Institut, m'a accordé sa confiance pour fonder une équipe de recherche. Je souhaite remercier l'Institut et sa directrice, Geneviève Malmousny, ainsi que le CNRS et l'INSERM, pour leur soutien et la liberté qu'ils m'ont accordé pour poursuivre nos travaux de recherche fondamentales. Je souhaite terminer par remercier les membres présents et passés de mon équipe. Les travaux que je vais présenter et le prix Luminsky sont le fruit de leur recherche. J'ai la chance et l'honneur de travailler avec des scientifiques talentueux et venus d'horizons divers, des biologistes, des physiciens, des statisticiens, et cherchant à dépasser les limites des connaissances en combinant leurs compétences. Venir au laboratoire pour comprendre le vivant, formuler des hypothèses, relever des défis et imaginer le futur est un immense plaisir grâce à eux. Ces travaux n'auraient été possibles sans le soutien constant et l'inspiration que me procure mon épouse Anne, ainsi que les joies et la fierté que m'apportent mes enfants, Najat et Claire. Je vais maintenant présenter les travaux. Bon, si je trouve ma présentation. Je vais maintenant présenter nos travaux sur les mécanismes de morphogénèse et de division cellulaire. Les organismes vivants adoptent des formes diverses. Ces formes sous-tendent des fonctions physiologiques fondamentales telles que la reproduction, la locomotion ou la prédation. Les mécanismes de régulation de la forme ou mécanismes de morphogénèse ont fasciné les biologistes depuis de très nombreuses années. Ces études, initialement descriptives, ont visé à répertorier les différentes formes que l'embryon acquiert au cours du développement. Ces études, bien que la forme soit très diverse, ont conduit à la mise en évidence de mouvements stéréotypés ayant lieu au cours de l'embryogénèse, tels que la gastrulation ou la neurulation. Ces études ont en outre été très influencées par la possibilité d'expliquer certaines formes des êtres vivants par des principes simples issus des mathématiques ou de la physique. Les travaux de biologistes du développement, de biologistes cellulaires, de généticiens et de biophysiciens ont conduit à la proposition d'un modèle de morphogénèse. Dans ce modèle, l'expression d'un gène dans un territoire donné de l'embryon conduit à une réorganisation du cytosquelette, ici figuré par ces petits points verts. Cette réorganisation du cytosquelette modifie alors les propriétés mécaniques des tissus et les forces qui s'exercent au sein de ce tissu, entraînant un mouvement collectif de cellules comme celui ayant lieu au cours de la gastrulation. Pour comprendre les mécanismes de morphogénèse, il est toutefois essentiel d'incorporer dans ce modèle un autre processus fondamental, la division cellulaire. En effet, comme on peut le voir sur ce film du développement précoce d'un embryon de poisson zèbre, où l'on a marqué les noyaux des cellules, on s'aperçoit que le processus de morphogénèse de l'embryon est concomitant à un accroissement du nombre de cellules. Ainsi, à la fin du développement, l'embryon peut acquérir une forme, une taille et un nombre de cellules données, lui permettant d'assurer ses fonctions physiologiques. Cette apparente coordination entre prolifération cellulaire et morphogénèse pose deux questions fondamentales en biologie. Comment les divisions sont-elles régulées au cours des processus morphogénétiques et comment les divisions cellulaires contribuent à la morphogénèse d'un tissu? Pour répondre à ces deux questions, il est essentiel de travailler à deux échelles bien distinctes. À l'échelle de la cellule, il est essentiel de comprendre comment la division cellulaire va positionner ces deux cellules filles au sein du tissu. La division cellulaire est cependant un événement extrêmement petit comparé à la taille de l'embryon. Il faut donc comprendre comment, collectivement, de très nombreuses cellules peuvent générer des déformations cellulaires, tissulaires, à l'échelle de l'embryon.
Ces déformations tissulaires reflètent l'existence de forces mécaniques qui agissent au sein du tissu. Il est donc aussi nécessaire de comprendre les interrelations entre divisions cellulaires et forces mécaniques. J'aborderai aujourd'hui ces problématiques dans le contexte de la biologie du développement, mais des problématiques similaires se posent dans le cadre de la réparation ou de l'homéostasie des tissus et de leur dérégulation associée à de nombreuses pathologies. Pour répondre à ces questions, nous utilisons un modèle simple, la drosophile, et étudions sa morphogénèse au cours de la métamorphose. En s'appuyant sur les travaux de Michel Gault dans le laboratoire de François Schweizgood, nous avons développé une méthode permettant de suivre l'ensemble de la morphogénèse de tout un tissu au cours de la métamorphose de la drosophile. On peut voir sur ce film, à l'échelle du tissu, les différents flux de cellules ayant lieu au cours de la formation de ce tissu. Cette méthode permet en outre de zoomer dans chaque région du tissu afin de visualiser avec une excellente résolution temporelle et spatiale la dynamique de chaque cellule. Cette méthode est donc multi-échelle et permet donc de relier comportement individuel et comportement à l'échelle du tissu. On remarquera qu'on peut observer de très nombreuses divisions. Ce tissu est extrêmement prolifératif et l'on pourra compter jusqu'à 25 000 divisions ayant lieu au cours de son développement. En utilisant ce système d'études, nous avons tout d'abord cherché à comprendre les mécanismes qui vont positionner les deux cellules au sein du tissu. Et pour ce faire, nous avons dû analyser les mécanismes qui vont réguler l'orientation du fuseau mitotique et la cytocinèse, un processus que je décrirai plus tard. En outre, nous avons développé des méthodes qui nous permettent de relier cette échelle cellulaire à l'échelle tissulaire et de relier les informations génétiques à la mécanique du tissu. Je commencerai tout d'abord par présenter nos travaux sur l'orientation du fuseau mitotique. Au cours d'une division, le fuseau mitotique, représenté ici en vert, positionne les deux cellules au sein du tissu. Il est donc extrêmement important, pour comprendre les mécanismes d'arrangement des cellules au sein d'un tissu, de comprendre les mécanismes qui assurent l'orientation du fuseau mitotique. L'orientation du fuseau mitotique est dans de très nombreux cas contrôlée par la forme de la cellule en interphase. En effet, en 1884, Oscar Hertwig réalisait une des premières expériences de biomécanique où il compressait des embryons d'oursin. Il réalisa alors que le plan de clivage de l'embryon se localisait toujours de manière orthogonale à la direction de compression. En d'autres termes, le fuseau mitotique s'aligne avec le grand axe de la cellule. Les mécanismes qui permettent à une cellule de percevoir sa forme dans le cadre d'une cellule isolée ont été bien compris par les travaux de Manuel Théry, de Michel Bornins et de Nicolas Manque. Un aspect important est que la loi de Hertwig s'applique presque à tous les tissus et à presque l'ensemble des divisions. En outre, il a été montré dans les tissus qu'elle est extrêmement importante pour contrôler l'organisation et la morphogénèse des tissus, pour réguler le stress mécanique et pour permettre la stratification des cellules au début de l'embryogénèse. Dans ce contexte, il nous a paru essentiel de comprendre comment une cellule au sein d'un tissu pouvait orienter son fuseau en accord avec sa forme. Pour ce faire, nous avons analysé la distribution de molécules ayant un rôle dans l'orientation du fuseau mitotique et nous avons remarqué que cette molécule MUD, ou NUMA chez les vertébrés, est localisée au point de contact appelé jonction tricellulaire. Ces jonctions sont localisées à l'interface entre trois cellules au sein d'un épithélium. Ces jonctions sont présentes dans tous les épithéliums et elles jouent un rôle fondamental dans l'étanchéité de cet épithélium. Lorsque l'on regarde la distribution de MUD, lorsque la cellule s'arrondit, on s'aperçoit que MUD reste localisé aux jonctions tricellulaires. L'orientation du fuseau mitotique étant spécifiée au moment où la cellule est ronde, cette observation nous a conduit à postuler que MUD pourrait, aux jonctions tricellulaires, pourrait jouer un rôle clé dans l'orientation du fuseau mitotique. Pour tester cette hypothèse, nous avons utilisé une approche interdisciplinaire. Nous avons tout d'abord mesuré les forces qui s'exercent sur le fuseau mitotique et démontré que ces forces ont pour origine les jonctions tricellulaires. Nous avons pu alors utiliser un modèle physique, initialement développé pour les cellules isolées, et dans lequel on postule que ces forces sont proportionnelles à l'intensité de MUD. Ainsi, nous avons pu prédire dans ce modèle l'orientation du fuseau mitotique et la comparer à ses valeurs expérimentales. Ce graphe reflète que nos prédictions sont de très bonne qualité et démontre donc que lorsque la cellule est ronde, les jonctions tricellulaires orientent le fuseau mitotique. Toutefois, il nous restait à comprendre la loi de Hertwig.
En effet, la loi de Hartwig spécifie que c'est la forme de la cellule avant la division, ou la forme en interphase, qui oriente le fuseau mitotique. Pour analyser cette question, nous avons collaboré avec David Lubinsky de l'Université de Michigan, et nous avons réalisé des films plus longs. Sur ces films, on peut mesurer le grand axe de la cellule, par une opération mathématique assez simple. Dans la mesure où nous avions montré que les jonctions tricellulaires, lorsque la cellule est ronde, est importante pour orienter le fuseau mitotique, nous avons proposé une nouvelle mesure appelée polarité de jonction tricellulaire, que l'on peut aussi, qui représente la distribution angulaire de ces jonctions et qu'on peut aussi, dont on peut aussi définir un grand axe correspondant à cette polarité. Il est important de noter que ces deux mesures peuvent être différentes. En effet, dans cette cellule allongée, ces deux axes sont alignés. Alors que dans cette cellule ronde, on voit que ces deux axes ne sont pas les deux axes, l'axe défini par la forme et l'axe défini par la position des jonctions tricellulaires sont différents. Il nous a alors apparu qu'en regardant ces cellules spécifiquement, on pourrait déterminer si les jonctions se divisent selon leur forme ou selon la distribution des jonctions tricellulaires. Sur ces graphes, on remarque que les cellules où les deux axes ne sont pas alignés de la même façon, les divisions s'effectuent le long de l'axe défini par la polarité des jonctions tricellulaires, alors qu'elle est presque anticorrélée avec la forme. Bien sûr, quand ces deux axes sont confondus, les prédictions sont équivalentes. Ces résultats démontraient que ce sont les jonctions tricellulaires qui spécifient l'orientation du fuseau mitotique et non la forme. Ces résultats soulèvent toutefois un paradoxe, puisque je vous ai dit que la loi de Hartwig est presque une règle universelle de l'orientation du fuseau mitotique. Pour résoudre ce paradoxe, il suffit de regarder les distributions de ces deux populations cellulaires. On s'aperçoit alors que dans la majeure partie des cellules, l'axe défini par les jonctions tricellulaires et la forme de la cellule sont alignés. Il nous restait donc à expliquer pourquoi les jonctions tricellulaires sont-elles, de façon générale, alignées avec le grand axe de la cellule? Pour expliquer ce point, j'utiliserai un schéma très simple où je vais étirer un groupe de cellules. Ce faisant, on allonge les cellules suivant un axe représenté en bleu, mais on modifie la position des jonctions tricellulaires qui sont alors dont l'axe principal est aligné avec la forme de la cellule. En utilisant ce schéma simple, mais bien sûr en utilisant aussi des simulations numériques, on a pu conclure que l'alignement entre la polarité définie par les jonctions tricellulaires et la forme de la cellule est en fait une propriété géométrique des tissus. L'ensemble de ces travaux nous a donc permis de résoudre une énigme centenaire où nous avons pu identifier les mécanismes qui permettent de contrôler l'orientation du fuseau mitotique en fonction de la forme de la cellule avant sa division. De façon plus générale, nous avons proposé que les jonctions tricellulaires agissent comme des senseurs de la forme de la cellule. En effet, de plus en plus de molécules ont été mises en évidence comme étant localisées au niveau de ces jonctions, en particulier des régulateurs du cytosquelette et du régulateur de la prolifération des cellules. En localisant une molécule aux jonctions tricellulaires, la cellule pourrait alors adapter son comportement au cours de la morphogénèse à l'élongation de la cellule. Comme on le voit sur ce schéma, l'organisation ou l'arrangement final des cellules après une mitose ou une division cellulaire va être définie au cours d'un processus qui s'appelle la cytosinèse. La cytosinèse est un processus très bien étudié au niveau de la cellule unique, où un anneau, enrichi dans un moteur moléculaire appelé la myosine 2, déforme les jonctions et conduit à la formation d'une petite interface entre les deux cellules filles. Lorsque l'on regarde deux cellules isolées dans une boîte de pétri, on s'aperçoit effectivement qu'il se forme à la fin de la mitose ou de la division cellulaire une petite interface. De manière très surprenante, lorsque l'on regarde une division au sein d'un tissu, on s'aperçoit que dans ce cas, il se forme une interface longue. Cette interface spécifiant l'arrangement des deux cellules. Il nous a paru intéressant alors d'essayer de comprendre quelles étaient les différences entre la cytosinèse ayant lieu lorsqu'une cellule est isolée et lorsqu'une cellule est présente au sein d'un tissu. On remarque que la différence majeure entre ces deux cellules est que la cellule au sein d'un tissu a des voisines. Nous avons alors réalisé une expérience très simple qui consiste à prendre une cellule en division et à utiliser un laser pour détruire l'ensemble de ses voisines. Dans ce cas-là, nous observons que la cellule, maintenant, forme une interface courte entre les deux cellules filles. Ce résultat démontrait que la propriété de former une interface longue n'est pas une propriété intrinsèque à la cellule en division, mais une propriété de la cellule en division et de ses voisins. Cette expérience nous a donc conduit à analyser plus en détail la dynamique de composants du cytosquelette dans les cellules voisines. Pour ce faire, nous avons marqué le contour d'une cellule ici en vert et analysé la distribution de cette molécule
myosine qui contrôle la cytosinèse. De manière très intéressante, on voit que lorsque l'anneau de cytosinèse se forme, les deux membranes se déforment. Et l'on a l'impression que la division va avoir lieu, comme dans le cas d'une cellule isolée. Toutefois, très rapidement, la myosine s'accumule dans la cellule voisine et aide alors la cellule à former une jonction longue. Sur la base de ces expériences et d'une analyse fonctionnelle de la myosine dans les cellules voisines, nous en avons conclu que lors d'une division, il existe une signalisation entre la cellule en division et ses voisines qui aide la cellule à se diviser et à former cette interface longue. Plus récemment, nous avons pu élucider le mécanisme sous-tendant cette signalisation et montrer qu'il correspondait à un mécanisme de mécanotransduction, c'est-à-dire un mécanisme d'information lié aux forces mécaniques. Nous avons pu, en particulier, montrer que la déformation des membranes est suffisante pour diluer une molécule qui s'appelle l'eucadérine et donc induire un flot d'actomyosine. Plus récemment, nous avons pu aussi étudier les mécanismes qui sous-tendent la reformation des jonctions tricellulaires à la fin d'une division et donc qui vont expliquer comment on peut réguler l'orientation des divisions successives au cours du développement d'un tissu. L'ensemble de ces travaux sur l'orientation du fuseau mitotique et la cytosinèse ont donc permis de mieux comprendre les mécanismes qui contrôlent l'arrangement des cellules dans un tissu prolifératif. Il nous restait donc maintenant à intégrer ces nouveaux résultats dans le cadre de la morphogénèse d'un tissu. En analysant ce schéma, ce modèle, il nous est apparu qu'un verrou majeur pour comprendre la morphogénèse des tissus était la nécessité de pouvoir décrire de manière quantitative le développement d'un tissu animé par des divisions. En effet, lorsque l'on regarde ce film, il est très facile de décrire de manière qualitative les déplacements de cellules. On voit par exemple de très nombreuses cellules se déplaçant vers l'avant du film. Il est possible, à l'aide d'outils classiques de l'hydrodynamique, de décrire ces flux de cellules et les déformations associées à ces mouvements cellulaires. Toutefois, il est très difficile de relier ce qui se passe à l'échelle cellulaire et à l'échelle tissulaire. On peut par exemple segmenter ce film et suivre tous les chemins suivis par les cellules. On peut alors compter le nombre de divisions, qui est de 25 000. Nous avons dû suivre 10 millions de contours cellulaires. Il y a 200 000 réarrangements dans ce film et 3 000 apoptoses. Ces nombres impressionnants ne nous permettent toutefois pas de relier l'échelle cellulaire et l'échelle tissulaire. En effet, la morphogénèse dépend de quatre processus élémentaires. Les changements de forme et de taille, les réarrangements qui vont changer la position relative des voisins, les divisions et l'apoptose. Lorsque l'on observe ces quatre processus cellulaires élémentaires, on remarque qu'ils sont extrêmement différents. Il est donc très difficile de les sommer pour pouvoir comprendre la morphogénèse d'un tissu. En s'appuyant sur les travaux initiaux de François Graner réalisés sur Limousse, nous avons alors développé un formalisme mathématique qui, au lieu de s'intéresser à la forme de la cellule, s'intéresse au lien entre une cellule et ses voisines. En utilisant ce formalisme mathématique, on peut alors représenter et quantifier de façon robuste chacun de ces processus dans une même unité. Cette unité est une matrice 2-2 symétrique que l'on peut représenter par un cercle qui va décrire la dilatation du tissu associée à ce processus et une barre qui va décrire l'élongation de ce tissu. On peut alors quantifier la morphogénèse de ce tissu, mais surtout, on peut la décomposer dans les événements cellulaires tels que la division, les changements de forme, les réarrangements et l'apoptose. Ainsi, dans chaque région de ce tissu, on peut écrire une équation qui va relier comportement cellulaire individuel et morphogénèse du tissu. En utilisant ce formalisme mathématique, ainsi que des méthodes d'analyse de la dynamique du cytosquelette et d'estimation des forces mécaniques, nous avons pu identifier des rôles nouveaux des tumeurs suppresseurs dans la morphogénèse des tissus et comprendre leur rôle dans la mécanique de ces derniers. Nous avons pu bien sûr étudier le rôle des divisions dans la morphogénèse et de ses interrelations avec les autres mouvements élémentaires sous-tendant la morphogénèse d'un tissu. Enfin, en étroite collaboration avec le laboratoire de Valentina Greco à l'Université de Yale, nous avons étudié les mécanismes de prolifération des cellules souches et de migration impliqués dans la réparation des épithéliums chez la souris. En conclusion, le processus de division cellulaire a été étudié à l'échelle de la cellule. Nos travaux sur la morphogénèse des tissus mettent en évidence que pour comprendre la division au sein d'un tissu lors de son développement,
Il est nécessaire de penser la division cellulaire comme un processus multicellulaire. En effet, en utilisant des liens qui relient la cellule à ses voisins, on peut décrire l'ensemble de la cinématique d'un tissu. La position des jonctions tricellulaires, qui est définie par la cellule en division et par ses premiers voisins, permet de comprendre les mécanismes d'orientation du fuseau mitotique. Enfin, j'ai décrit qu'au cours de la cytosinèse, il existe une signalisation mécanique entre la cellule en division et ses voisines. Nous proposons donc que l'unité fonctionnelle et morphologique d'un tissu, pas la cellule, mais la cellule et ses premiers voisins. Pour finir, je voudrais remercier à nouveau l'ensemble de mon équipe et en particulier les personnes qui ont réalisé les travaux que j'ai présentés aujourd'hui. Floris Bosveld, biologiste de formation, a développé l'ensemble des méthodes permettant de suivre la dynamique du tissu. En étroite collaboration avec Olga Markova, qui est physicienne, il a élucidé les mécanismes qui sous-tendent la loi de Hertwig. Les travaux sur la cytosinèse ont été démarrés par Sophie Herzeg, une ancienne doctorante au laboratoire qui m'a fait le grand honneur de venir aujourd'hui d'Angleterre. Ils ont été prolongés par Diana Pinheiro et Ziming Wang. Boris Guirao a développé l'ensemble des méthodes, qui est physicien et théoricien de formation, a développé l'ensemble des méthodes de quantification de la dynamique des tissus. Il a été aidé en termes d'analyse d'image par Stéphane Rigaud. Et l'ensemble de nos travaux, qui sont interdisciplinaires, sont développés en étroite collaboration avec François Graner, avec lequel nous avons une longue et fructueuse collaboration. Je vous remercie pour vos attentions et je serai heureux de répondre à vos questions. Merci pour ce très bel exposé. Many thanks for this very beautiful presentation. Unfortunately, it was not in English, but now you can ask questions in French. They asked me to do it in French, so it's why I'm sorry. French. But there was, I hope it wasn't too difficult to follow. Yes, yeah, good. All right, on a du temps pour les questions, donc qui veut commencer? J'ai remarqué donc juste une chose, il y a beaucoup de mécanique finalement dans votre travail, donc c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut mesurer les forces mécaniques, donner ça en Newton et avoir les contraintes On peut les mesurer effectivement dans certains tissus, à l'aide par exemple de pipettes où on va aspirer en fait la membrane de la cellule. Au sein de notre tissu, ce qu'on a fait, c'est on ne peut pas le faire directement, donc on a développé des méthodes qui nous permettent d'estimer ces forces à une constante près, qui est la viscosité du tissu. Donc en supposant en fait que la viscosité est constante, ce qui est une hypothèse assez forte, on arrive à avoir une estimation de ces forces juste en segmentant le film. Et donc on a l'intérêt de cette méthode et qu'on arrive à voir l'évolution des forces mécaniques tout au long des films que je vous ai présentés. En fait. Bien, donc la salle. Donc Roger Balian, puis Édouard Brézin, et puis Moshe Yaniv. Les dessins que vous avez présentés sont très convaincants à deux dimensions, mais on sait bien que les divisions cellulaires à deux et trois dimensions sont qualitativement très différentes. Alors, comment ça se passe en réalité? Alors, c'est une très bonne question. Nous étudions en fait les divisions dans un épithélium, où les divisions ont lieu dans le plan de l'épithélium. C'est-à-dire que le fuseau mitotique est toujours aligné avec le plan de l'épithélium, de façon à ce que les deux cellules filles se retrouvent... Restez face au micro. Ok, pardon. Ok, merci. Donc nous étudions les divisions dans un épithélium, où les divisions ont lieu dans le plan de l'épithélium. Ce que je n'ai pas présenté, c'est que les molécules que nous avons identifiées sont importantes pour que le fuseau mitotique se place dans le plan de l'épithélium et aussi s'oriente en fonction de la loi de Hertwig. Donc, par simplification, je n'ai pas présenté l'ensemble de nos travaux, en fait. Mais il est tout à fait important de signaler que ces divisions, effectivement, sont régulées dans l'espace. Et de manière intéressante, le formalisme que nous avons développé, nous l'avons implémenté en deux dimensions, mais il est valable pour tout tissu à partir du moment où il est cohésif, même en trois dimensions. Donc, Édouard Brézin. Oui, d'abord, merci d'être aussi clair pour les malheureux physiciens. D'autre part... vous avez expliqué l'orientation. Qu'est-ce qui explique l'avant et l'arrière? Alors, l'avant et l'arrière, vous voulez dire du tissu? Oui. D'accord. Alors, c'est une question qu'on se pose actuellement, qui est développée par Aurélien Villedieu au laboratoire, en fait, puisque l'on voit effectivement ce grand flot de cellules, en fait. Ce flot de cellules est en fait associé avec la formation du cou
de la drosophile. Et là, en fait, j'ai dommage, j'ai pas des images de ceci, mais avant que le cou se forme, on a un tissu qui est plat, et le cou va s'invaginer, en fait. Donc c'est un mouvement morphogénétique classique. Une des originalités que nous avons pu découvrir récemment est que ce n'est pas le cou qui entraîne l'ensemble des cellules, en fait. Le cou s'invagine initialement et pourrait donc, par son invagination, créer un signal mécanique qui alors va orienter la migration des cellules. Et cette invagination, en fait, serait due à un processus qui pourrait ressembler à du flambage, où en fait on a deux populations de cellules qui migrent dans des directions opposées et donc s'invaginent. Quel sera le signal, à un certain moment, sur une couche d'épithélia où les cellules s'arrêtent à diviser? Est-ce que vous comprenez ça? C'est une question qu'on est en train de se poser, donc je sais bien que je sois venu aujourd'hui. Alors, on ne sait pas. Donc, au sein du tissu que j'ai présenté, les cellules se divisent deux fois. Et on pense qu'il y a deux types de régulation. Il y a une régulation à l'échelle du tissu, probablement liée à l'expression de gènes au sein de ce tissu, en particulier des morphogènes, tels que les molécules du TGF-bêta ou les molécules de la famille Wnt. Mais il y a aussi une régulation plus systémique qui dépendrait en fait d'une hormone, l'exdisone, qui arrêterait en fait la prolifération. Un des résultats que nous avons intéressant actuellement, il est très préliminaire, c'est quelque chose que Aude a présenté au lab meeting hier, est que en fait, ces deux signalisations, en fait, la signalisation par les morphogènes et la signalisation systémique, pourraient en fait être coordonnées à l'échelle du tissu et permettre l'expression dans des territoires donnés de ces gènes qui sont induits en réponse à l'exdisone. Donc on ne comprend pas effectivement pourquoi deux divisions seulement. Antoine Dorchin, de ce côté-ci, à droite, de ce côté-là. Une question un peu horrible. Après ce magnifique exposé, en particulier sur la mécanique, le lien avec les cellules voisines, etc., ça paraît extraordinairement bien compréhensible. Je l'admire énormément. Mais justement, comment se fait le lien avec les gènes? Avec les voisines, vous voulez dire? Avec les gènes. Avec les gènes. Alors, oui, j'ai hésité à... D'accord. Donc... L'une des réalisations récentes du domaine, par exemple, je vais vous donner le modèle classique qui s'applique, par exemple, pour l'événement cellulaire que j'ai montré, qui est la gastrulation. Dans ce cas-là, un gène est exprimé suivant un patron qui va permettre de produire un ligand. Ce ligand va être sécrété et va donc activer une voie de signalisation. Cette voie de signalisation va alors moduler l'activité de molécules d'une famille qui s'appelle la famille des rogéthépéases, qui va conduire à une augmentation de l'activité de la myosine, qui est un moteur moléculaire. Donc c'est un modèle assez classique où on voit une voie de signalisation qui peut conduire à l'activation d'un moteur moléculaire. Ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, il y a de très nombreux feedbacks, positifs et négatifs, et il a été montré, bien sûr, que la myosine elle-même, ou la contractilité de la cellule, peut elle aussi contrôler l'expression génétique. Et donc à travers cette régulation génétique et les feedbacks, on peut avoir l'émergence de propriétés collectives qui n'étaient pas, en fait, complètement spécifiées par la génétique. Eric Westhoff, à droite, ici aussi. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ces jonctions à trois, comment les protéines reconnaissent-elles ces... C'est une très bonne question. Alors, la réponse courte est qu'on ne sait pas. On aimerait bien le savoir. En fait, quand on regarde une des molécules qui est localisée aux jonctions tricellulaires, donc et qui est nécessaire pour localiser d'autres molécules à ces jonctions, il a été montré en fait que ces molécules étaient composées d'un trimère, d'une répétition. Et il a été proposé sur la base d'une analyse structurale qu'elle permettrait en fait de former un triangle isocèle. Et donc elle pourrait en fait se localiser, elle pourrait interagir en fait avec trois autres molécules. Pourquoi cette accumulation se fait uniquement au niveau des jonctions tricellulaires? C'est une grande question à laquelle on ne sait pas répondre. Daniel Riquier, à gauche. Oui, dans toutes ces forces qui interviennent, quid de la composante, je dirais, électrique, le potentiel de la membrane, les flux de calcium, etc. Donc pour la composante électrique, je ne sais pas répondre. Pour les flux de calcium, en fait, on a regardé. Et en fait, il n'y a pas de flux de calcium en fait, qu'on peut détecter à l'échelle du tissu lors de sa morphogénèse.
Margaret Buckingham à gauche. Là-bas. Merci, Johan, on essaie de pousser le modèle plus loin. Comment envisager la régénération tissulaire, là où le tissu donc, a perdu son organisation, oui. Là où les cellules prolifèrent en réponse aux signaux qui sont relâchés par donc les cellules en difficulté. Mais comment reconstruire dans cette situation une morphogenèse parfaite, qui est ce qui se fait en fait? C'est dans le cadre de cette question qu'on a collaboré en fait avec Valentina Greco, parce que bon, j'ai pas eu le temps de décrire ce travail. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait une blessure sur l'oreille de la souris en fait, et ensuite par microscopie multiphoton, elle peut suivre au cours du temps le déplacement de l'ensemble des cellules et la prolifération des cellules en fait. Et ce qu'on a montré en fait, c'est que les cellules, il y a une coordination entre le taux de migration de ces cellules et la prolifération des cellules souches. Si on inhibe la migration, il va y avoir plus de prolifération des cellules souches pour permettre de refermer la plaie. Si maintenant on inhibe en fait la prolifération, il y aura plus de migration. Donc ceci reflète qu'il doit y avoir une relation entre différenciation cellulaire, prolifération et migration. Toutefois, on ne peut pas répondre à la question que vous posez, qui est sur la reconstruction effective de ce tissu pour sa réparation. Et d'autre part, bon, les processus de régénération en fait, sont extrêmement étudiés actuellement, par en particulier chez le salamandre, en fait, mais où effectivement les méthodes que nous avons développées pourraient être utilisées pour savoir comment les tissus se réorganisent. Daniel Louvard. Oui, très bien entendu. Vous avez montré dans l'analyse des nombreuses divisions quelques dizaines de millions, qu'il y a aussi 3000 apoptoses. Oui. Alors, dans un tissu qui est atteint adulte, à l'état où l'homéostasie, où l'arrêt des divisions est contrôlé, comment votre schéma explique ou intègre l'extrusion de certaines cellules qui, elles, vont mourir par apoptose? Donc, c'est une question qu'on se pose actuellement, de savoir effectivement pourquoi nous avons autant d'apoptose dans ce tissu. Un résultat qui est assez intéressant, que nous avons récemment obtenu, c'est que si on bloquait les divisions, on n'avait plus d'apoptose. Donc, nous pensons en fait qu'il y a un contrôle en fait, du nombre de cellules à l'échelle de ce tissu. Comment ce contrôle est réalisé? Et nous avons d'autre part observé, d'autre part observé que les cellules qui délaminent sont les cellules qui sont en général plus petites que leurs voisines. Donc il nous faudra comprendre dans le futur comment les cellules peuvent mesurer leur taille relativement à leurs voisines et savoir qu'elles délaminent. En fait, je pense qu'il y a deux processus. Il y a d'abord un processus de définition d'une grande zone où l'apoptose va avoir lieu, et ceci pourra être régulé par un processus génétique, en fait. On va positionner, par exemple, différents champs d'expression qui vont conduire à l'apoptose des cellules. Et en fait, ensuite, au sein de ce, cellule, de ce domaine, presque par un processus d'inhibition latérale à laquelle on pourrait penser, une cellule va être sélectionnée pour délaminer. Et ceci pourrait être le résultat de la géométrie ou des compressions, par exemple, mécaniques qui s'exercent sur cette cellule. Pascal Cossard, une question, et puis ensuite, Pascal va vous remettre votre diplôme. Voilà. Non, je voulais juste savoir, là, c'est très beau, on montre des cellules qui sont toutes identiques, mais sur les bords, la situation est différente, oui. Et puis il y a des endroits où les cellules vont être à côté de cellules qui sont différentes. Vous regardez oui. Tout ça aussi? Alors, on est en train... Donc, bien sûr, c'est vrai qu'on a un problème de bord, puisque le tissu ne s'arrête pas ici. Et donc, j'ai pas les films, mais on a développé des nouvelles méthodes d'imagerie, en fait, qui permettent de prendre la pupe, et de la faire tourner devant le microscope. Donc, maintenant, on peut imager, en fait, à 360 degrés, l'ensemble de l'animal. Donc, on résout le problème des bords. Il y a effectivement au sein de ce tissu des groupes, des types cellulaires différents. Il y en a deux. Enfin, il y a des organes sensoriels que j'ai étudiés pendant mes travaux postdoctoraux. Et c'est vrai qu'il existe des interactions assez intéressantes entre ces deux types cellulaires, puisque par exemple, on s'aperçoit que lorsque l'organe sensoriel grossit, parce qu'il y a un nombre une croissance de ces organes sans prolifération, les cellules qui l'entourent se mettent à se diviser pour accommoder. Donc on pourrait imaginer qu'il existe des signaux, alors peut-être mécaniques ou juste une signalisation classique, pour permettre la division de ces cellules autour.
Très bien. Il me reste à vous remercier pour l'ensemble à la fois de votre présentation et les réponses brillantes à vos questions, ou à toutes les questions qu'on vous a posées. Et félicitations à vous tous. Merci. C'est super. Merci.